Voilà, après un Beat by 5 arrêté par un Blanca sur 2X en haut, je suis donc au sous-sol de la salle Mikado d'Ikebukuro, là où ils ont installé les bornes rétro, du coup, qui sont normalement au premier étage de la salle Takanobaba à Mikado. Ici, ils ont séparé le full rétro avec la partie combat et avec la partie un peu plus amusement, UFO Catcher, etc. Donc si on fait le tour, on peut voir pas mal de bornes de vieux jeux, très très vieux jeux. Voilà, je peux pas non plus faire tout le tour ici parce qu'ils aiment pas trop qu'on filme à l'intérieur de la salle Mikado. Je suis en face de la borne Virtua Striker 4 de la version 2006. Tu vois, on peut jouer à des jeux de foot, il y a quelques puzzle games. C'est ici, à mon avis, on va trouver aussi Puyo Puyo. Voilà, c'est dans ce genre de salle-là. Elle est vraiment bien, cette nouvelle salle Mikado. C'est génial de pouvoir voir autant à la fois de jeux de combat, mais autant de dojos. Et surtout voir Mikado ouvrir une deuxième salle comme ça sur le même concept, à la fois les jeux à doser pour tous, quelle que soit leur époque. Ça c'est super sympa. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Ikebukuro à Tokyo, bah, je vous invite à vous rendre à cette salle Mikado qui est vraiment très très belle.